font vibes. Salut la famille, ça va bien? Ok. J'espère que vous portez bien. Je suis en train de me préparer pour un petit voyage de 100 km de voyage. Oui, Barra, tu vas André. Pour un petit voyage de 100 km de Ouagadougou avec tout mon staff. Donc, je vais vous dire que j'arrive Koudougou. À tous mes fans de Koudougou, Colonel Renfouet arrive chez vous. Le Koumbala arrive chez vous. Et pas peur. Chose promise, chose due. Donc je suis en train de me préparer pour prendre la route. Donc préparez-vous à me recevoir comme d'habitude. Je profite de l'occasion pour saluer. Pour saluer tous les amis de la Côte d'Ivoire. Tous les artistes du Coupé de Calais, et puis je salue tous les DJ du Coupé de Calais et les DJ de la nuit qui luttent pour le mouvement. En tout cas, c'est Zoom. Moi, je côtoie beaucoup de DJ qui me font retourner beaucoup de choses. Et sans vous mentir, moi, tiens, merci à tous les DJ de Côte d'Ivoire. Mais franchement, les médias ivoiriens, surtout les médias ivoiriens, parce que je veux dire en Afrique, c'est un peu en Chine, on va dire, mais les médias ivoiriens vous abusez. Voilà, vous abusez. Et c'est pas bien. Je pense que les médias ivoiriens sont à la base de beaucoup de choses dans la Côte d'Ivoire, dans notre très chère Côte d'Ivoire. Je pense que les médias ivoiriens sont à la base de beaucoup de discordes dans le showbiz ivoirien. Et je pense que les médias ivoiriens sont à la base de la dégradation du coupé décalé. Parce que vous voyez bien, je me rappelle quand j'ai lancé le son La Colère du Lion. C'était un ras-le-bol à la base. Si vous avez bien remarqué, j'ai mis le son sur ma page Facebook. Et avant de mettre le son, j'ai mis une affiche. D'abord, j'ai mis une photo de moi et DJ Arafat. Et puis, j'ai mis je demande pardon, etc., etc. Et quand j'ai posté l'affiche, c'est-à-dire que quand j'ai posté seulement la photo avec la publication, en moins de 24 heures, dit qu'en moins de 20 ans, parce que les commentaires qui étaient en bas, vous connaissez comme d'habitude, ça me bat bien, ça me... Mais bon, je suis habitué. Donc ça avait commencé à faire du bruit. Les sites ont relayé en même temps. Il a dit en moins de 24 heures. Il y en a même qui ont pensé que j'ai payé les sites pour quoi que ce soit. Moi, allez chez lui, je n'ai même pas l'argent même pour se faire sortir ma Camaro du garage. Oui, allez là, c'est dur. Et puis, il est venu payer les sites pour faire quoi que ce soit. J'ai été étonné comme vous. J'ai dit, en moins de 24 heures, l'information a été relayée comme quoi. Arrête, je vais casser les papos. Bon, moi, j'étais dans l'avancée de mon truc. Il n'a même pas regardé tout ça. Et j'ai mis le son. Et le son a fait... C'est-à-dire que moi, sur mon Facebook, le son a fait 2 millions de vues. En moins de 3 jours, si, mais il n'est pas allé sur mon YouTube, il est sur mon Facebook, c'est encore là, vous pouvez aller regarder. Il fait 2 millions de vues en moins de 3 jours. Je n'ai pas voulu faire plus de ça parce que c'était un béhément d'oreille, c'est-à-dire que c'était même pas un son commercial. La preuve, ma maison de production l'a enlevé même sur ma page. Mais le son a été publié, partagé. Envenimé, c'est-à-dire engrossi
Ça dit, le son était remasterisé, mais il y en a qui ont fait remix. Il y en a qui ont fait acte 2 pour moi. Mais moi, ça m'a bien servi de leçon parce que c'est dans ces moments-là que j'ai compris qu'en fait, RG n'avait pas la gueule. Ils n'avaient rien à dire en fait. Ils attendaient juste que moi ils parlent. Ou bien ils attendaient peut-être même que c'était ça. Allait même pas être moi. Que quelqu'un puisse se lever pour parler, pour finir se mettre derrière. Ouais, que c'est ci, que c'est ça. Et puis ils attendent acte 2. Voilà. Il y en a qui m'appellent. Il y a des sites même qui m'appellent pour me dire ouais, je sais comment. Et acte 2 là. Ah, il faut que tu fasses. Vous savez combien d'artistes, combien de personnes qui m'ont appelé pour faire pour me dire acte 2, fais acte 2, fais acte 2. Ah, d'accord. En fait, vous là, c'est vous qui envenimez le truc. C'est vous qui gâtez la réputation du coupé décalé. Parce que lui, s'il n'y a pas de buzz sur un morceau, ça ne doit pas prendre. Parce que le morceau est venu, il y a eu des buzz, chacun fait des directs, il y a eu des directs en un point fini. De partout dans le monde, ça a bouleversé la toile en moins de 3 jours. Juste parce que c'était un son où j'ai crié mon ras-le-bol. C'est ça que vous aimez. Mais attends, mais non, mais personnellement, je suis désolé. Ah oui, moi, je suis désolé pour vous. Pas pour moi. Hein. Moi, je m'en fous parce que moi, vous ne partagez au vous ne partagez pas au Il n'y a pas un voyageur quand il quitte mon pays, il prend le drapeau de la Côte d'Ivoire et sort. Il n'y a pas un pays où il ne représente pas. Et quand il quitte là-bas, ils savent que ouais, il y a un mort ivoirien qui a quitté ici. Un vrai ivoirien qui a quitté ici. Un lion qui a quitté ici. Il a fait exprès pour faire ouais, les fans sortir, les fans de. Du Burkina sorti, moi il avait fait ça. Sortir, revenir à m'attendre à l'aéroport d'une manière. À la base, moi il avait fait ça quoi. Si vous voulez bien organiser ça, c'était depuis une semaine, tant de fait direct, puis j'y viens. J'ai fait ça la veille. Et moi-même, j'étais étonné. Mais je savais qu'il y en a qui attendaient, qu'il n'y ait personne à l'aéroport. Et puis ils allaient venir, ouais, allez, je n'ai pas vu tout même depuis l'aéroport déjà départ. C'est-à-dire que c'est les sites ivoiriens même qui ont commencé à partager. Allez, je n'ai pas vu tout déjà depuis l'aéroport. Bah. Allez, je n'ai pas vu là. Bah. Judas. Bah. Mais vous savez pas que Judas, là, il a tatoué ça ici. Là. Et si il y a un prison pour moi, Judas, le lion. Là, quoi, là, comment appeler Judas? Il fait photo, je vais vous montrer. Hein. C'est méchant. Ouais, c'est méchant. Parce que le spectacle que je suis venu faire ici en temps normal, c'est une représentation ivoirienne. Et les sites devaient relayer ça. C'est important. C'est ce qui fait que nous, on survit. C'est pas quand on est en clash, mais quand il y a Bamba sur nous, on allait venir jouer les dangereux sur nos pages. On est désolé. Personnellement, je suis désolé. C'est pas pour les autres, mais moi, je suis désolé. Voilà. Et pas parce que ça me fait mal juste, parce que moi, ça ne m'empêche pas de manger. Voilà, c'était juste le corona qui a fait que c'était Mugabe. Et ça, c'est tout le monde. Mais là, où c'est parti là, je suis lancé, puis il n'y a plus de temps pour quelqu'un. Voilà. Acte 2. Moi, je ne suis pas écrivain. Allez-y, chez les écrivains, vous allez chercher vos actes 2. Merci beaucoup. Koudougou, population de Koudougou, je tiens à dire merci à tous mes fans de Ouagadougou qui ont répondu présent. Sans vous mentir, moi. Moi, je fais ça pour vous. Et mon fan club, même, je ne les ai même pas appelés. Mais vous êtes venus, ouais. Vous avez fait la route derrière moi. Et puis le spectacle. Non. Ça veut dire que, de toute façon, vous étiez ignorant là. Non. Moi, mais il y a plein de. Non. Ça veut dire que, non. Ouais. Il est si fort, en fait. Il n'y a pas l'ordre. Donc, merci à tous.